L'ancien chef d'État français Nicolas Sarkozy a été condamné lundi à Paris à une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont un an ferme pour sa participation à des actes de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Cette affaire a été déclenchée en 2014 suite à des interceptions téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat de longue date, Thierry Herzog. Le tribunal correctionnel a conclu à l'existence d'un pacte de corruption entre Nicolas Sarkozy, âgé de 66 ans, Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Ces derniers ont également été condamnés à 3 ans d'emprisonnement, dont à un an ferme. Nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui est suspensif de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. Je pense que dans certains dossiers en particulier, de manière générale, la justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes, et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent. En décembre 2020, le parquet national financier PNF avait requis les peines plus lourdes pour les accusés. Pour Gilbert Azibert, ancien magistrat, le PNF avait demandé 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Pour Thierry Herzog, avocat, les réquisitions étaient de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, assorties d'une interdiction professionnelle de 5 ans. Quant à Nicolas Sarkozy, le PNF avait requis une peine de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Les 3 hommes étaient accusés de corruption et de trafic d'influence. Cependant, lors de l'audience, la défense dirigée par Jacqueline Lafont et Hervé Termine a remis en question la solidité des preuves présentées, mettant en évidence les faiblesses de l'accusation. Lafont a souligné le recours excessif au terme, exprimant le doute dans les réquisitions du procureur, affirmant qu'elle n'avait jamais assisté à de tels réquisitoires, utilisant des expressions telles que « nous pensons, nous croyons, cela pourrait ressembler à, nous acceptons de nous tromper ».